On entend de la rue, pas vrai? Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, à côté de nous. C'est ça, bon petit lac. Bonjour, bonsoir. Vous entendez-moi? On entend parce que l'appareil là parfois, bon problème, bon problème. Tala, tala. Tala, tala. Allô, vous entendez? Est-ce que nous entendons là? Un bon monde qui dit yes. Un autre monde qui dit oui. Ah, ben ok. Donc, on doit déraper, pas vrai? Si nous disons, nous disons, nous entendons. On va tirer les lunettes là, il dit oui. C'est bien ça. Ok. À nous aller, non, mes amis. En tout cas, grand, grand, grand point cap de l'actualité, c'est dossier et guerre. Entre Israël avec Hamas. Donc, monsieur Israélien, aviation israélienne continue à pilonner et position Hamas gagne dans le territoire Gaza. Nous avons que le territoire Gaza fait éventuellement deux fois la capitale fédérale américaine, Washington DC, son sort d'un clavier qui prend entre Égypte avec Israël. Donc, on dit que c'est un pile de monde là-dedans. Donc, il y a une idée que tout le monde est marché sous l'autre. Tellement de monde qui habite dans le territoire de Gaza. En tout cas, Israël, même beaucoup de pas, il s'est né. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas faire une porte. Et il a commencé d'abord empêcher par une ni manger ni de l'eau, ni électricité, rien à une population. Donc, son situation a tout fait. Moun ki innocent pa gagne pour avec guerre et gagne secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui dit qu'on pas puni font ça une punition collective côté tout monde a dit c'est une violation liée de loi internationale de deux gagne un couloir humanitaire pour et permettre moun ki pa gagne pour avec voilà. En tout cas, et quand c'est moun kap mouri, quand c'est à continuer à augmenter, gen moun ki jusqu'à présent pas répondre à l'appel, gen président américain Joe Biden qui dit que les États-Unis a supporté Israël et dit que doit Israël gen pour le défendre tête li. Et mais États-Unis voyon cargaison premier cargaison zam ak munition. États-Unis a ba Israël la li rive jodi a même en Israël. Dans le moment où pas de vol aérien, il y a un paquet d'étrangers qui sont bloqués dans la zone, qui ne peuvent pas voyager parce que le vol est annulé. Donc il y a des efforts qui sont faits pour que le vol international soit reprendre. C'est assez déclaration, même le département d'État fait ceux qui sont là, après ce que le vol, surtout le vol États-Unis américain, est à reprendre pour permettre une évacuation faite pour les gens qui veulent quitter, pas quitter le pays. Il y a des pays qui ont déjà commencé à évacuer avec avion militaire. Et c'est cas pour Mexique, c'est cas pour par exemple Chili, c'est cas pour Argentine, c'est cas pour Australie qui a annoncé la gain deux vols évacuation qu'a fait vendredi avec dimanche, c'est cas tout pour et Bulgarie était déjà lui-même évacué citoyen par le depuis dimanche. Donc gingo il faut qu'a fait pour évacuer Mounio. Pour voir que les gens qui veulent quitter, les gens qui sont bloqués dans ce nom. Mais tant qu'on nous a parlé avec le leader politique haïtien, Clarence Renoir, qui lui-même trouvé, qui passe à trouver la dans Jérusalem, monsieur tout bloqué l'autre bois. Mais il dit que il y a un peu d'efforts qui ont fait pour être capable de débloquer. Mais il dit comment c'est un problème, par exemple, c'est de zone manger, comment c'est un raté et manger, par exemple, surtout de l'eau. Comment c'est gâté, il dit que quartier côté qu'on gagne, on sait de boutiques, nous les dépanneurs, c'est ça les boutiques, moi même pas boutique dans quartier qui dépanneur, mais boutique ça yo censé commencer par gagner de l'eau, donc l'eau acheter de l'eau, yo déjà dit que tourner demain si gagne de l'eau à joindre, donc vous faites pour vivre plus bonheur possible, mais la situation là continue gaz sirène etc justement pour ouais qui mesure que et pour protéger la population. Mais ça va empêcher que Israël et Paris pour mener une opération à terre et de 44 prix à chercher aussi le carab d'initié militant à Massieu, mais Abdi Gampil Mounto et Palestinien donc qui mourit tout en Israël à cause qui mourit dans le territoire Gaza et à cause des attaques aériennes et missiles que et l'armée de l'air israélien a lancé sur toute sa cap qui campait et qu'on s'abalaye. Nous avons quitté ça, nous parler gagner une grosse solidarité pour Israël. C'est ça, par exemple, pour le Parlement européen qui observe un minute de silence pour
et victimes israéliens yo gagnent j'ai photo que les États-Unis a fait dans sens ça et que secrétaire d'État américain Antony Blinken qui peut aller d'ailleurs qui doit aller. Oui, il y a un secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui est prêt à aller en Israël, justement pour apporter un message de solidarité, de support à Israël dans le gouvernement américain. Et puis, ici, aux États-Unis, il y a un gros effort qu'a fait pour que le Congrès ait cherché un nouveau président pour, après, nous prenons un groupe de députés manigancés ensemble et pour être arrivé à mettre ensemble la démocratie pour capoter le Speaker of the House là, et le président de la Chambre des députés et McCarthy. Et bien, je dis à l'état de hier soir, il y a un débat qui a fait pour entre deux candidats qui ont même justement fait qu'on est pour qui ils ont essayé l'état de prochain président de la Chambre des députés. Et je dis à t'as dû en principe un vote qui t'a dû commencer et il t'a semblé que tu votes la face secret ben on va connaître en tout cas et absence d'un speaker in the house a appliqué a affecté quand même et faut qu'a fait les États-Unis a fait par exemple quand on gagne Israël là et il a affecté tout et faut que t'as fait tout pour t'assister Ukraine on dit que en Bruxelles gagne tout. Et président ukrainien et Volodymyr Zelensky qui prend la parole pour la première fois et qui l'a même devant l'Assemblée et européen justement pour lui plaider cause Ukraine raison que Ukraine besoin non seulement l'argent mais munitions pour capable et défendre tête lui contre attaque là aussi à penser contre lui donc grand pile bagarre fait n'a dit que et la Turquie c'est peut-être le pays qui peut en fait supporter et Hamas dans l'attaque que mené contre Israël là mais après ça et tout l'autre côté qui parlait c'était à ses positions en faveur d'Israël. Donc nous parlons de Congrès, nous parlons de Kenya et d'après toute nouvelle yo et c'est un en plein monde dit c'est un cour suprême mais c'est pas que ce sont tribunal de haute instance et mais qui par cour suprême là qui lui-même prend décision pour demander gouvernement pour lui camper sur toute activité pour ta déployer une police là aller en Haïti et d'après résolution des Nations Unies qui campe tout bagage jusqu'au 24 octobre les que a prendre décision pour d'ici ou non il a autorisé et militaire et après dire que le gouvernement a envoyé une force multinationale pour aller des polices nationales haïtiens gain tout fanatique nous content Canada et Justin Trudeau atterri là et gouvernement canadien a annoncé un programme visa humanitaire pour Haïtiens, Colombiens avec Vénézuéliens. Il est limité, c'est 11 000 visas humanitaires qui permettent 11 000 Colombiens, Haïtiens. Ce n'est pas chaque nom, le total là est 11 000 liés. 11 000 Haïtiens et Vénézuéliens avec Colombiens rentrent au Canada, mais à condition qu'on ait une famille prolongée. C'est-à-dire que famille prolongée, madame, petite, et maman, papa, et petite, etc. Mais il faut un lien. Et puis, il faut que les gens qui sont au Canada, il faut qu'ils soient citoyens canadiens ou bien encore, ils sont résidents au Canada. Donc, Canada, dîner la vacité mondiale. Et les gens qui bénéficient de programme ça, eh bien, immédiatement, quand ils arrivent au Canada, ils vont commencer à rentrer dans le système non, justement pour gagner une résidence. Il est un peu différent de programme Biden, non? Pour Biden, il n'y a pas de limite lui-même, n'importe qui n'a pas tourné n'importe qui. Mais pour le Canada lui-même, c'est famille élargie. C'est une famille élargie qui a aidé. Il n'y a pas dit tonton, ma tante là-dedans, mais il dit petite, et vous avez montré ça, et bien, les citoyens canadiens ou bien encore les résidents au Canada, et bien, sont capables de bénéficier d'un programme. Non, rentrer dans le programme Visa Humanitaire Canada, et c'est total que. Le gouvernement a annoncé à ces 11 000. Nous allons venir avec encore plus de détails pour nous voir sur qualification ou bien encore une étape que le monde de franchir. Il n'y a pas dit qu'il faut tout doué. Il a seulement dit, mais groupe mondial. C'est un programme que le Canada a annoncé depuis longtemps. Dans la première rencontre que le premier ministre canadien Justin Trudeau a fait avec le président Joe Biden. Mais il y a été là, il y a été parlé, le Canada a dit qu'il a fait ça. Une fois ça, il est passé dans la réalité. Et c'est Autorité immigration au Canada qui fait annonce. Donc, cherchez qu'on ait plus
Et si nous ne connaissons pas, consulter avocat qui est dans le domaine. Non. Mais en attendant, le programme Biden a continué lui-même pour les citoyens cubains, haïtiens, vénézuéliens avec nicaraguayens. Il a continué. Juste arrivé pour prendre une décision, soit dans fin mois d'octobre là, ou bien en novembre, sous demande d'un groupe de dirigeants républicains et dans le sud des États-Unis pour camper le programme ça. En attendant, pas parce que quand Babi a dit jusqu'à présent, il a fait demande depuis janvier, on n'est pas arrivé. Prends patience. Prends patience. Bon, il a tombé pour quand même. Et un ami me dit, hier, il a été consulté, il a été arrêté le 22 janvier. Alors, son programme qui va aller parallèle. Pas nous parler avec le premier groupe qui était appliqué avant eux, mais nous parler avec le monde qui a appliqué en dernier autour. Donc, ça veut dire que c'est ça faut qu'on a constaté une sorte de retard dans la demande que les femmes ont fait pour eux, ou les hommes ont fait pour eux. Mais prends patience. Voilà, marcher quand même, ok? En attendant, marcher République Dominicaine et Haïti, eh bien, on dit fait prendre dans marché binational dominicain, beaucoup de Dominicains, mais dit fait prendre là-dedans hier soir. Et non, pas tout marché à non, mais on partit là-dedans, dit fait prendre là-dedans. Eh bien, pompiers étaient venus, ils ont essayé d'éteindre dit fait là. Mais pas de gain de l'eau, tu es obligé d'aller, etc. Mais go passe dans ma chaque boulet et incident s'est arrivé. Dans un moment, le président Luis Abinader a annoncé qu'il a ouvert frontière partiellement pour Haïtiens qui viennent acheter beaucoup de Dominicains. Viennent acheter. Ça que du côté de Wanamet, ça que correspond à nous et Jodler Junior Civil. Qui était sur place dans la main dit non, et bien, il était monté nous-mêmes que beaucoup d'Haïtiens, Dominicains ont ouvert barrière par là, mais beaucoup d'Haïtiens ont autorité de faire une barrière, et ont dit Haïtiens par rapport à la Chine, mais Dominicains, d'ailleurs, ils trouvaient que c'était une pertinence, façon que le président dominicain, Luis Abinader, a parlé et a fermé les frontières, dépassé Haïti, l'autre pour être crampé sous construction, canal irrigation. Et ça va fait. De toute façon, ils étaient là pour faire seulement pour manger avec médicaments. Et donc, ça veut dire que pour Haïtiens, ils viennent acheter manger. Mais il dit, il y a l'autre bagage qui n'est pas venu, par exemple, par un processus d'immigration, immigrants, et ils n'ont pas de visa jusqu'à présent, et ils n'ont pas permis que Haïtiens voyagent en République dominicaine. Et ne pas permettre que matériaux de construction, tant qu'on fait, et ciment, bah, ça soutient le Dominicain pour entrer en Haïti. Donc, son bail qui est complètement militarisé, c'est militaire même qui a contrôlé, bah, ça y est. Donc, il est ouvert, il faut que ça dépasse le pôle, il est ouvert. Mais, dit ouvert, c'est vrai, bah, bah, le Dominicain est ouvert, mais bah, il est fermé, je vous dis. Nous, par contre, ça y est dans l'autre port et d'entrée, tant qu'on est en zone Elias Pignas et Himani et Pedernales, nous avons bien ça et beaucoup de ça, mais au moins beaucoup de Wanamet avec Dahabon, et Haïtiens qui sont dans la zone ça, ils ont campé ferme sous décision pour ne pas l'ouvrir. Et nous avons vu avec l'autre détail pour et grand peu de monde qui dit que c'est une façon pour montrer que le président dominicain comme c'est craqué. Face à la décision, il te prend, et c'est un bar qui l'a tenu contre lui, parce qu'il a semblé que les commerçants dominicains n'ont pas content avec elle, et ils ont manifesté contre ça. Ils ont manifesté contre la décision qu'ils prennent, parce qu'ils disent eux-mêmes, sont difficiles pour eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas qu'à liquider, ils n'ont pas qu'à vendre produit par eux. Dans l'autre question encore, nous avons parlé, il y a un haut commissaire des Nations Unies qui a demandé au gouvernement haïtien pour montrer que vraiment les soucis du peuple, donc pour prendre des étapes pour lui aider, assister le peuple haïtien qui a passé un mauvais moment. C'est même pas tout représentant des Nations Unies et droits humains des Nations Unies pour Haïti à tout, M. William O'Neill, tout, qui dit même pas à tout. Il m'a demandé pour que Haïti fasse plus d'efforts pour défendre ou bien encore pour améliorer les conditions du peuple haïtien. Et puis gagner tout et le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui interjeté appel après et juge d'instruction et qui t'a enquêté sous dossier et l'église épiscopale là soit fait cagison zame épiscopale là et bien qui t'a blanchi en principe et toute prête et l'église épiscopale yo. Et puis il voulait quelque monde pour y aller juger quand même, mais le commissaire gouvernement pas d'accord, il interjette appel, il dit tout le monde que la justice a arrêté, mais tout le monde est apprêté dans la prison en attendant que pour y refaire même audition, encore réinstruire et dossier et puis gagner tout
et juge instructeur qui a instruit dossier et cargaison d'armes port de paix, et bien il y a tout libre en décision tout gain mon niveau et tout devant et tribunal pour juger mais dit blanchi par exemple ministre justice là et Bertrand Dorsey que il dit qu'il n'est pas gagné pour lui à ça qui est passé à main directeur cabinet ministre là dans l'époque là qui semblait et était by l'autre pour être libéré mon est arrêté tout comme tout et commissaire gouvernement ou bien encore responsable et la justice dans port de PA et bien monsieur Sayo Kembeo pour et même tout pour aller juger tout dossier qui quand même était tout ouvert que dans support et puis la police en Haïti mené plusieurs opérations et dans jour qui passé au côté au l'état même tout y a quelque monde qui a été identifié comme on dit mais ces exam tout je dis c'est moi qui a beaucoup d'écoute exam avec la police. Et puis il y a tout ancien sénateur John Joel Joseph qui était dans prison qui en fait plaidé non coupable pas non coupable plaidé coupable dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là et ancien sénateur n'a pas que arrêté en Jamaïque et bien lui-même il était dans prison aux États-Unis mais il plaidé devant tribunal fédéral américain en Floride que oui que le coupable de reconnaître que il était participé non complot pour tout et pour assassiner ancien président Jovenel Moïse là et en retour il croit qu'il a rencontré avec monsieur qui est venu kamikaze monsieur qui a participé dans crime là et il était même prévoir il était même by machine en fait logistique machine avec ZAM pour permettre que monsieur mène opération et la veille assassinat président Jovenel là il était rencontré avec groupe mercenaire. Et puis je vais des coupables. Ça fait troisième personnage, ou bien troisième monde qui est impliqué dans le dossier ça, qui est des coupables. Il y a d'abord Rudolf Jar, qui c'est, et puis il y a John Joseph, ça du côté haïtien, et puis il y a un Colombien tout, qui est même des coupables. Donc ça fait trois mondes parmi une dizaine d'autres qui sont en prison aux États-Unis, qui très certainement c'est les États-Unis. Mais jusqu'à présent, juge dans le pays d'Haïti, continuer à instruire le dossier à côté de tant de témoins en charge ou à décharge sur le dossier à main pour qu'on ait une décision définitive qui prend sur le dossier ça dans le pays d'Haïti. Mais en attendant, Abdou, John Joel Joseph plaide coupable devant le tribunal fédéral américain. Et alors, il dit lui-même, et récompense par là, c'est de te promettre lui, et si elle a été passée normal, et bien lui-même, il a besoin d'un job comme premier ministre. Et en plus, tu as un bon président et lui-même, il était président du premier ministre. Donc, c'est ça que tu as bien en retour. Bon, on attend pour nous aider, qui ça a voulu dire des coupables à pas représenter pour lui-même. Et puis, et c'est ça. Oui. Et puis, voilà. Et je dis assez, c'est mercredi, moi, je suis là. Nous avons fait deux bons jours là à la caille. Nous travaillons à domicile. Bon, son ange, mon chef service à faire, entre moi et Jacqueline, il y a des jours, il y a des semaines, moi et Jacqueline, j'ai fait deux jours là, quand même, travail là, à distance, et Jacqueline qui a fait deux jours tout travail à distance. C'est chaque deux semaines, ou bien chaque semaine sur deux, ou bien chaque semaine sur deux, et après, c'est, ouais, s'il t'a qu'à soulager, pour programmer comme ça, justement pour soulager, et bah, il vient ici dans Washington DC, c'est bon, bah, qui et ça m'a demandé pour déplacer pour venir travailler, mais il faut venir travailler parce que c'est base de travail, etc. En principe, je crois que c'est ça que pour vous, on a travaillé sur dossier, on a travaillé pour jeudi, surtout moi-même, jeudi, je travaille sur l'immigration, je travaille sur le dossier guerre en Ukraine, et on va parler de réaction, effort que les États-Unis ont fait pour éviter que le conflit n'aille pas si mal dans la région, parce que y a un pile en jeu. Et puis, et on a travaillé tout sur le Congrès, tout le Congrès, nous, après que le Congrès a pratiquement et une course contre la montre pour que qu'ils joignent un nouveau speaker, un nouveau président pour chambre des députés. Donc, course à l'île toujours, bien sûr, sur l'autre dossier pour tout. Et puis, dossier, oui, dominicain, nous sommes sur place. Et correspondant à Jodler, Junior Saint-Ville, lui-même, qui est là pour l'observer, ça a passé directement sur la frontière. Mais jusqu'à présent, construction est possible. Et parce que c'est une détermination qui bail une sorte de solidarité entre Haïtiens qui dit que eux-mêmes, ils ont quoi que. Il faut que dossier construction et canal, ça a été fait. Et pendant que les Dominicains eux-mêmes, bord de Paris, ont fait leur transaction, empêcher de l'eau à venir, ouvrir l'autre canal pour empêcher qu'Haïti ne parvienne dans de l'eau. Voilà.
Passez un bon après-midi dans l'hôpital, dans le journal radio sur télévision. C'est Jacques Mézière qui se place, qui a présenté nous aujourd'hui. Gentil, qui se place, gentil, ou qui va parler de crise humanitaire qui apparaît, qui déjà apparaît en Israël, sur l'affaire de conflit qui gagne et l'autre bois. Et puis, Valeu Saint-Louis va travailler tout avec des déclarations des jeunes haïtiens qui trouvaient en Israël dans le moment où conflit s'est arrivé et qui. Pour qu'on y ait à censé bloquer, mais là va faire vivre qui est une situation souterrain et qui est lui-même les garder, l'abgarder et qui lecture le gain de conflit ça. Ok, passez bon après-midi, merci en pile. On en parle encore demain. Donc je dis à Fred pas avec nous, Fred en vacances. Donc mais nous là, non, on a pas Fred.